Amis de la forêt, bonjour. Le vieux Broussard est de retour et aujourd'hui il va vous expliquer comment on peut cuisiner un caïman entier dans sa peau en papillote. Allez, c'est parti pour une recette sympa. Alors, pas de gaspillage. Nous avons le choix entre un animal de 1,80 m, que voici, et un autre plus petit, d'1,30 m. Donc, vu le nombre d'invités, nous allons nous rabattre sur le plus petit. Voilà. Ce qui correspond quand même à une belle table. Nous allons procéder au nettoyage de cet animal, parce qu'évidemment, ça vit dans des zones boueuses. Donc, après l'avoir vidé, on va procéder à un nettoyage complet. Un bon toilettage. Il va être bon, notre caïman. Évidemment, nettoyer non seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur, ça doit être impeccable. Voilà, là ça commence, il a de belles couleurs, il est tout frais, il a été tué de cette nuit. Il faut savoir aussi rendre honneur à nos captures. Pas de gaspillage et du respect. Voilà, donc on enlève tout le sang. Les glandes ont été enlevées également, sous peine de donner un goût bizarre à la chair. Il faut savoir que la chair du caïman est assez fade. Disons, on va dire qu'au niveau du goût, c'est l'intermédiaire entre le poisson et le poulet. Donc, pour le relever, il va falloir faire plusieurs types de sauces pour accompagner cette chair qui reste quand même très fine et très délicate. Voilà. C'est bien. Pour une douzaine de personnes, un caïman de 1,20 m, 1,30 m, celui-ci fait 1,30 m. Donc après l'avoir lavé, on le met à égoutter. Voilà, quelques instants égouttés, après ce sera parfait. Bon, notre caïman, il faut le farcir. Donc la farce sera composée de pain, de persil, d'ail, d'oignon. On va pimenter le tout, dans l'occurrence ici, ce sera du locoto. Et on va mettre du vin blanc. Comme nous sommes en Bolivie, ça sera un excellent petit vin blanc de la région de Tarija, un Campo de Solana. Et le tout légèrement épicé, pour pas que les invités se brûlent trop. Après, ils épiceront selon leur goût. En accompagnement, nous allons faire plusieurs sauces, mais aussi un riz cantonné. Riz cantonné, évidemment du riz, du jambon, etc. Voilà. Comme d'habitude. Donc pour un caïman dont la chair est fade, il ne faut pas lésiner sur les arômes, et notamment sur l'ail. Évidemment, le caïman, c'est bien connu, c'est une viande du sud. Donc, nous procédons maintenant au remplissage avec la farce. Et on va le laisser prendre le goût pendant une paire d'heures, disons, que le parfum du vin blanc, de l'ail, des aromates puisse pénétrer au maximum la chair. On va remplir au maximum, mais il n'est pas nécessaire
que ce soit des bancs turgescents. Hein. Ah ben, il commence à être joli, notre animal. On peut être un peu rude, certes, mais la rudesse n'empêche pas une certaine coquetterie, disons. Selon à la partie couture. Inutile de dire que le tissu est assez coriace, mais bon, avec une aiguille adaptée et du fil en conséquence, on y arrive. Il faut faire attention à ne pas laisser les coutures, que le fil de fer ne sorte pas trop, de façon à ce qu'il ne déchire pas le papier aluminium dans lequel nous allons envelopper notre invité. Voilà. Ensuite, nous allons procéder à... On va attacher les pattes bien fixes. On va mettre notre animal au garde-à-vous avant de procéder à la pose du papier aluminium dans lequel il sera enveloppé. Voilà. Donc là, on met les pattes bien contre le corps. On procédera de la même façon avec les pattes arrière. Et notre caïman sera prêt pour être enroulé dans l'aluminium avant la cuisson. Voilà, donc je reprends mon aiguille. Je vais faire peut-être le dernier trou, voilà. Et là aussi, hop, un dernier, bon, je ne sais pas quel point c'est, le point de surgé, je ne sais quoi. L'essentiel, c'est d'être efficace. Parce que là, la notion de mode est totalement absente, n'est-ce pas ? Ouais, donc, la dernière couture. Et voilà le travail. Donc voilà, la couture est terminée. Maintenant, nous allons procéder à l'emballage sous aluminium. Et là, les pattes sont parfaitement bien attachées. Notre animal a l'air vraiment discipliné. Donc voilà, la cuisson est commencée à midi juste. On va compter à peu près 1h30, 2h de cuisson en le retournant tous les quarts d'heure. Il a été placé sur un côté de la grille justement pour favoriser le changement de côté. Allez. Notre animal doit être cuit. Et maintenant on va ouvrir le coffre-fort avec un petit décor de feuilles puisque nous sommes chez nous. Je coupe le fil de fer. Après, nous retirerons le luminium. Et notre animal, une fois cuit, va apparaître. Et nous allons nous en régaler. Voilà. Tout un travail de couture réduit à néant. Ce travail de couture a été fait dans le but de la cuisson. Et nous le réduisons à néant pour les nécessités de la dégustation. Mucho trabajo de costura. Menos. Para la preparación. Y ahora le reducimos la casinada para el problema de degustación. Vale. Tiene la cola chica. Bien. ¿Dónde se fueron las mujeres? ¿Tiene miedo o qué?
A ver. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a rien qui se perd. Jusqu'au bout des ongles, on peut manger la viande. Et dans des situations de survie, il est intéressant de ne pas perdre de nourriture potentielle. Normalement, nada no se puede perder. Porque cuando vamos a quitar la piel con un tenedor, por ejemplo, se va a caer solita. Y la carne la veremos muy limpia. No se pierde nada. Se puede comer la carne hasta la que toca las uñas. Vale. Il n'est pas joli notre caïman. Alors normalement, quand le caïman est bien cuit, la peau, elle s'enlève très facilement. Alors, il suffit de passer la machette dessus et puis là, on voit que ça s'en va tout seul. Donc je répète, l'avantage, c'est que là, il n'y a rien de perdu. Et l'avantage, c'est que, cocido de esta manera, ni un trocito de carne se pierde. Todo se come. Porque aquí hay gente que se come nada más que la cola. Y lo demás se le botan a la basura. Aquí no se pierde nada. Ahí, vamos. Vamos a comerlo, buen provecho. Mucho brava de nada de comer. Se va a ¿eh? Mucho brava de nada de comer. Sí, sí, mucho de dinamita. Bueno. Vamos a comerlo. Sí, ya tenemos hambre. Buen provecho a cada uno. Y aquí será un libro servicio. La cerveza está aquí, ahí en la nevera. Lo que tiene sed, se la coge. Y lo que tiene hambre, se come. Se va a hablar con el lagarto. Ah. Ok. Gracias. Y viva Bolivia. ¡Viva! Donc voilà, le self-service a commencé. Et le secret, c'est évidemment dans les sauces. Ya. La Hein? Le secret dans les sauces. Donc beaucoup de sauces donneront autant de variétés de goûts.